Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invitée, c'est Maëlle Wargon, la présidente de la commission de régulation de l'électricité. Bonjour. Bonjour, de l'énergie. Oui, pareil, on va beaucoup parler d'électricité, pardon. Parce que j'allais vous dire, on a vraiment besoin de vous ce matin pour connaître le vrai prix de l'électricité. Les entreprises et les Français ont besoin de savoir à quel prix ils vont acheter leur électricité dans 10, 20, 30 ans. Personne n'est d'accord. D'abord, sur le plan économique, c'est très compliqué. On a fait un débat d'Ozaniel que vous pouvez revoir en replay. On n'a pas tranché. Luc Rémont, le patron d'EDF, dit « Mais moi, ça me coûte très cher, les nouveaux EPR, les investissements. Laissez-moi fixer mon prix. » Et vous, vous dites « Non, non, on a trouvé à peu près 60 euros. » à peu près. Comment vous faites pour trouver le prix de l'électricité ? Alors, je pense que la difficulté dans ce débat, c'est de ne pas tout mélanger. Parce qu'il y a d'un côté le coût de production, ouais, et ensuite le prix de marché. Et forcément, il y a un écart entre les deux. Donc sur le marché de l'électricité, aujourd'hui, les entreprises et les particuliers, l'électricité qui leur arrive, elle est achetée en partie sur le marché de gros, qui met en concurrence tous les moyens de production d'électricité, l'éolien, le solaire, mais aussi les centrales thermiques à gaz, à charbon. Il en reste deux en France, il y en a aussi en Allemagne. Et puis l'électricité nucléaire, qui est pour partie vendue à un prix régulé et pour partie vendue sur le marché. Donc ce prix de marché... C'est évidemment difficile de vous dire à 5 ans ou à 10 ans où est-ce qu'il va s'établir. Il a beaucoup fluctué. Aujourd'hui, il est à 130. Aujourd'hui, il est autour de 130 euros du mégawattheure sur le marché de gros. Il était avant crise parfois entre 50 et 60 euros. Et pendant la crise, sur la partie la plus aiguë, la plus grave, quand tout le monde était très inquiet, il est monté jusqu'à 1000. Mais 1000, ce n'est pas du tout significatif, c'était vraiment le pic de la crise. Donc dire à combien ce prix va s'établir à moyen terme, en fait, c'est le marché qui fait des anticipations. Ce qui est intéressant et, à mon avis, a changé sur le marché français et même européen, c'est qu'on a peu de cotations de long terme. Il y a beaucoup de marchés de biens fondamentaux dans lesquels vous avez des prix non seulement à 2 ans, mais parfois même à 5 ans, voire... Et c'est une demande des boîtes, des entreprises d'avoir cette... C'est une demande de tout le monde. Quand vous voulez sécuriser votre approvisionnement sur un bien aussi essentiel que l'électricité, c'est intéressant de pouvoir avoir des prix à long terme. Et donc l'idée, c'est de développer des compartiments de marché à plus long terme, à commencer par 5 ans, et de favoriser les partenariats de gré à gré pour ceux qui peuvent, ceux qui sont suffisamment gros, qu'on appelle des PPA, qui sont en gros des accords entre un producteur et un consommateur, où là, vous pouvez décider d'acheter une quote-part d'électricité, mais même pour une durée beaucoup plus longue, 10 ans ou 15 ans. Et ça, ça doit permettre de faire deux choses. Ça doit permettre de donner de la visibilité. Et en fonction des types de contrats, ça doit permettre de rapprocher les prix des coûts de production. Parce que quand vous signez avec un producteur d'éolien, par exemple, et que vous signez pour 10 ans, vous allez signer quelque part sur la base des coûts de production plus une marge. Donc vous allez vous rapprocher des coûts de production. Et c'est ça qui est important, essayer d'avoir des prix qui reflètent le coût de la production. Oui, mais justement, EDF dit ce prix, c'est pas 60, c'est beaucoup plus que ça. Et là où Luc Rémont est pas content, ce que nous racontait notre reporter ce matin, Mathieu Pechberti, c'est qu'il dit que ce prix n'aurait pas dû être dévoilé, notamment pour les questions de concurrence. Est-ce que c'est pas juste pour influer dans l'esprit des entreprises, voilà 60, on met ça dans l'esprit de tout le monde, mais qu'en fait ça n'a aucun rapport avec la réalité ? Alors si je reviens sur de quoi on parle, quel est l'objet qui a été rendu public ? La commission de régulation de l'énergie, on a des missions régaliennes qui nous ont été données par la loi et puis on a des fonctions de conseil et d'expertise. Et c'est dans le cadre de ces fonctions de conseil et d'expertise que le gouvernement nous a demandé de réévaluer le coût de production de l'électricité nucléaire. Donc on a fait ces calculs, on les a soumis au gouvernement, ça a été rendu public dans le cadre de l'idée que dans le débat environnemental, c'est important de donner une forme de transparence qui a été rendue publique. C'est quelque chose de très agrégé, justement parce que le détail des calculs, il est lié à beaucoup de chiffres qui eux-mêmes sont des calculs intermédiaires chez EDF. Ce chiffre de 60 euros, c'est un coût de production. Et donc ce coût de production avec la rémunération du capital, nous avons travaillé sur une hypothèse dans laquelle on sécuriserait totalement EDF sur son chiffre d'affaires. Tout son chiffre d'affaires serait garanti à ce coût de production. C'est pour l'instant l'une des options possibles de régulation, ce n'est pas la seule. Et donc dans une option dans laquelle EDF est moins sécurisé, il a besoin de plus de rentabilité, de plus de marge. Et donc ces 60 euros, ce n'est pas vraiment un prix, c'est plutôt un coût. Mais c'est quand même un marché quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un prix, effectivement, de production, et d'ailleurs,
en raison de la réglementation européenne, on a pendant des années obligé EDF à vendre une quote-part de son électricité au prix de production pour favoriser la concurrence. Et pour favoriser les consommateurs. Voilà, j'insiste les consommateurs vraiment, et la concurrence, c'est la même chose, non ? Bah pour que tous les consommateurs, qu'ils soient clients d'EDF ou clients d'autres fournisseurs, puissent avoir dans leur facture une quote-part d'électricité nucléaire à un prix bas. Ouais, mais du coup, EDF dit, moi, ça a augmenté mon endettement. Et là, vous me demandez d'investir 25 milliards d'euros par an pour les futurs EPR, 25 milliards pour financer aussi la mise à niveau des centrales nucléaires existantes. Moi, je n'y arrive pas avec ce prix fixé par une autorité de régulation, fixé par l'État. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas faire, désormais, sur le marché de l'électricité, le marché ? Alors, une précision d'abord, les calculs qu'on a faits, c'est le coût de production complet du nucléaire actuel. Donc ça ne couvre pas, on l'a dit très clairement, voilà. C'est la modalité de calcul, ça ne couvre pas le financement du nouveau nucléaire. Et puis une deuxième chose, la contradiction à laquelle les pouvoirs publics en général sont confrontés, nous on est l'autorité de régulation, les choix de régulation ils sont faits par le gouvernement, les choix de modèle. Mais la contradiction c'est d'un côté permettre à EDF d'avoir un modèle économique de développement d'entreprise soutenable dans le temps qui permet à la fois de financer tous les travaux à faire sur les centrales actuelles et les nouveaux réacteurs, et de l'autre, préserver le pouvoir d'achat et la compétitivité des entreprises avec une électricité qui est un bien essentiel pour les ménages, on le voit bien avec la tension sur l'inflation, et pour les entreprises sur la compétitivité. Et donc c'est ce point d'équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver, sur lesquelles les négociations sont encore en cours. Mais est-ce qu'on ne complique pas tout avec une entreprise qui est publique ? Donc du coup, tout est faussé. Parce que l'actionnaire, c'est l'État, et c'est l'État aussi qui régule. Donc Luc Rémont, à la fin, il va claquer la porte. Bah, écoutez, ça, on va laisser Luc Rémont s'exprimer sur ce qu'il souhaite faire. Mais en tout cas, on est dans une équation où effectivement, on a une entreprise qui maintenant est complètement publique, qui doit se développer en tant qu'entreprise et répondre aux enjeux d'intérêt général pour lesquels elle a été complètement rendue publique. Là où ça se complique, c'est qu'en dehors du nucléaire, c'est aussi compliqué du côté de l'éolien offshore, du côté du solaire. On racontait également ce matin qu'il y a des entreprises qui préfèrent revenir sur leur contrat, payer des pénalités plutôt que d'aller au bout parce que les coûts sont devenus infernaux à gérer, notamment à cause de la hausse du prix de l'argent, que ça devient très compliqué. Est-ce que de toute manière, dans n'importe quel scénario, l'électricité va revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, le coût de l'argent a augmenté, mais ça c'est vrai pour l'électricité, tout le monde, ouais. Pour le gaz, pour la totalité de l'économie. On vit un choc ou une transformation très brutale. En l'espace de très peu de temps, les taux sont passés de négatif 1% à 4-5%. Ouais. Vous savez que pour l'éolien, qui sont des contrats très long terme, le coût de l'argent est déterminant bien pour sûr. La rentabilité. Donc tous les business qui ont un modèle dans lequel il y a un gros investissement, qui sont avec beaucoup de capital, forcément le coût du capital, ça a un impact. En France, on achète l'éolien, enfin l'électricité issue de l'éolien, notamment offshore, mais aussi terrestre, avec des contrats garantis par l'État. Donc, on fonctionne par appel d'offres. On prend celui qui a fait la meilleure proposition. Et EDF, après, souvent EDF, comme vous le savez, la Creuse s'est exprimée pour dire qu'on avait intérêt à avoir une diversification des acteurs sur ce marché. Et ensuite, ce prix est garanti. Mais dans des conditions contractuelles qui sont définies à l'avance. C'est des shadocks, parce que EDF a fait des prix très bas, d'ailleurs vous en êtes vous-même ému, sans doute qu'ils n'arriveront pas, ils vont les tenir, parce qu'ils vont faire à perte, et comme c'est l'État qui est actionnaire, vous voyez, c'est un cercle complètement vicieux, le modèle français. Moi, mon rôle, c'est la surveillance du marché, pas le rôle État actionnaire. Mais après, on aura de nouveaux appels d'offres, on aura plusieurs compétiteurs, on n'a pas que EDF qui a des parcs éoliens offshore en France, il y a des parcs éoliens offshore ailleurs. En France, en tout cas, on garantit la rentabilité avec un prix garanti, donc ça doit permettre le développement de cette énergie, on en a besoin par ailleurs. Vous avez vu le rapport RTE, il dit beaucoup plus de renouvelables, beaucoup plus de nucléaire. Donc on double la production d'électricité d'ici 2050. On est parti d'un point bas puisqu'on était à 280 TWh d'électricité nucléaire l'année dernière. C'est historiquement bas. On va remonter. EDF prévoit d'être entre 300 et 330 cette année. Nous, on cible la production telle qu'on l'imagine autour de 360 dans la période 2026-2030. Donc on va remonter et la cible, c'est toujours 400. Donc rien que ça va remonter. On n'est pas prêt d'arrêter avec les boucliers énergétiques, du coup. En fait, c'est vraiment une question politique. C'est une question de décision politique.
qu'est-ce qui est acceptable et soutenable et qu'est-ce qui nécessite un soutien public. Vous voyez bien que quand les prix sont à 1 000 euros, vous ne pouvez pas laisser les consommateurs avec un prix à 1 000 euros. Donc là, les prix sont redescendus, ils restent plus chers qu'avant la crise. Et sur la question des tarifs réglementés, par exemple, moi je me suis exprimée en disant voilà où ça va atterrir en théorie. Le gouvernement a précisé le type de protection qu'il va apporter aux Français. Voilà, c'est important que le gouvernement décide à quel moment il protège et jusqu'où. Bon, votre pronostic, 2030, le prix de l'électricité par rapport à aujourd'hui, il sera fois deux. Mon pronostic, c'est ce qu'il y a dans les marchés. Le meilleur pronostic possible, c'est le prix de marché. On est plus sur le marché, on l'explique en 10 minutes que finalement, on ne laisse pas faire le marché. Il n'y a pas beaucoup de prix à 2030 pour l'instant et on ne connaît pas encore le mode de régulation. Merci beaucoup, Emmanuel Margon, d'être venu sur notre plateau.